peu importe l'âge, peu importe le moment, les quelques secondes juste avant le match, c'est déjà du foot, mais sous une autre forme. C'est le football qui s'imagine, le football qui se pense, le football qu'on attend. Et c'est pour ces moments que ce sport est grand et qu'on l'aime. Alors installez-vous et préparez-vous à rêver. On a hâte que ce match démarre. Salut tout le monde, nous sommes en Andalousie. Bienvenue à l'Estadio Nuevo Los Carmenes à Grenade. Pour commenter la team d'Ada, évidemment, au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva. Au programme donc un match de championnat, Grenade face au Real, finalement. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Bien parti dans le dos, et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Et c'est joué par Toni Kroos. Mais non, la tête est détournée par la transversale. Et une occasion de contre à négocier. Et le ballon est rendu. Et ça peut être dangereux. Oh, et le face-à-face. Quel contrôle à faire avantage. C'est bien Vinicius. Intervention du gardien. C'est l'occasion de prendre l'avantage en usant les jambes de leur adversaire. Et en les faisant courir derrière le ballon. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. La précision technique, c'est la finesse du footballeur. La finition en douceur, c'est un hommage à la technique. La frappe pour l'égalisation peut-être. Ouais, la parade. Et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty. Et c'est dedans, pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Sur ces images, ce péno qui prend parfaitement à contre-pied et le plongeon qui était parti du mauvais côté, c'est très bien tiré. Travail de pro. Mendy à la réception. Et maintenant Rodrigo. Attention pour mener au score peut-être. La parade, quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Ouais, superbe défense. Le ballon pour Ferland Mendy. Le centre dans la boîte. Mais quel but, quel génie, quel artiste, quel esthète. C'est la perfection, c'est le mariage de l'efficacité et de l'esthétique. Quelle maestrie. La joie est excessive, contagieuse, virale. Et il a raison, l'entraîneur. La modération ne mène nulle part. C'est presque fini, mais la compétition, c'est d'attendre jusqu'à la fin. Un seul but, ça ne suffit pas pour se détendre. Le ballon pour Jude Bellingham. Et voilà une bonne parade pour maintenir encore son équipe dans la course. Le coup de sifflet final, et donc on va en rester là. Le Real, toujours aussi irrésistible à l'extérieur et qui s'impose à nouveau aujourd'hui. Les meilleurs cette saison en déplacement montrent encore leur personnalité. Cette victoire est courte, mais ils confirment une chose, leur excellente organisation tactique. Allez,